Bonjour, bienvenue pour cette édition exceptionnelle de Tous connectés et après, le cycle de conférences que nous organisons avec le Shadok sur le numérique et la manière dont il s'installe dans nos vies et la manière dont on s'en préoccupe. Alors, le poids des algorithmes dans nos vies, il est chaque jour plus évident. Ils trient nos photos, ils choisissent notre musique, ils décident même quelles informations sont plus intéressantes pour nous. Demain, ils pourraient très bien conclure à votre culpabilité à la place d'un juge. On va en discuter tout à l'heure. Et pourtant, cette question du rôle décisionnaire des algorithmes est peu débattue. C'est peu fréquent dans le débat public qu'on parle de la question des algorithmes, et c'est justement ce qu'on va faire ce soir. On sait même rarement quelles données sont collectées, et encore moins comment elles sont traitées. Donc il est urgent que ces questions de transparence et d'éthique s'imposent à l'industrie. On va voir ça, comment, dans quelles limites elles peuvent s'imposer et avec quels outils. On va en parler avec nos deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avons Imane Bello au centre. Donc, vous êtes avocate et enseignante en éthique et politique des systèmes d'intelligence artificielle à Sciences Po. Et à sa droite, nous avons Yannick Menser, chercheur associé à l'Institut des hautes études sur la justice. Voilà, merci à tous les deux d'être présents. Vous êtes tous les deux des experts de ce domaine, de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'éthique, des droits humains aussi. Et donc, c'est un réel plaisir de vous avoir ici à Strasbourg pour évoquer ces questions qui sont à la fois complexes, mais qui, en même temps, concernent absolument tout le monde, tout le temps et au quotidien. Alors, c'est une tradition dans ce cycle. On commence toujours par définir un peu les termes, et notamment algorithme, machine learning, intelligence artificielle, de manière à ce qu'on s'entende pour toute la durée de cette table ronde. Donc, qui est-ce qui veut commencer là-dessus ? Imane. Alors, merci déjà pour l'invitation. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une discipline, tout comme les mathématiques ou la biologie. Et c'est une discipline qui va utiliser des algorithmes et qui parfois inclut du machine learning, le machine learning étant une sous-discipline de l'IA. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de l'IA au pluriel. C'est parce que c'est une discipline, on ne dirait pas oui, les biologies hier ou bien demain, les biologies vont nous tuer. Ça n'aurait pas de sens. On parle plutôt de système d'IA pour cette raison-là. Voilà. Oui, tout à fait. Désolé, ouais, c'est bon, ça passe. Comme disait Imane, 55-56, on est aux États-Unis. Marvin Minsky, John McCarthy, qui sont deux chercheurs en informatique et qui trouvent un super coup de force rhétorique, qui trouve une manière de nommer les recherches pour être financées par le Rockefeller Institute. Ouais, donc, ouais. Je fais c'est un gros coup marketing au début. Ça marche toujours, quelque part. Et ça a bien vécu. Ouais. Ça a bien vécu. Ouais. Donc, alors, nous, on va rester un petit peu à l'écart du marketing et de l'effet d'esbrouf pour évoquer un petit peu comment fonctionnent ces mécanismes et en quoi ils s'imposent et dans quelle mesure ils sont efficaces. Alors, une première question que j'avais envie de vous poser... C'est forcément la question qui va vous faire bondir. Parce que les algorithmes, finalement, donc, ils trient des masses d'informations, ils permettent d'arriver à un résultat beaucoup plus rapidement. Où est le problème ? Où est le problème avec les algorithmes, finalement ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire confiance, en fait, à la machine et à la manière dont elle calcule, puisqu'ils y arrivent mieux que nous. Ils calculent plus vite. Mais alors, voilà, la question est difficile, parce qu'en fait, ça dépend déjà de quel algorithme on parle. En soi, un algorithme, c'est vraiment une formule, tout comme vous avez une formule pour, je ne sais pas, cuisiner une tarte aux pommes. Donc, est-ce qu'on est inquiet par rapport aux formules de tarte aux pommes ? Moi, ça va. Je ne sais pas vous, mais moi, ça va. En revanche, il y a plein de questions, et je pense qu'on va les évoquer de toute façon ensemble ce soir, il y a plein de questions qui peuvent se poser en fonction du contexte
dans lequel ces algorithmes sont utilisés, de leur objet et des informations dont on dispose par rapport à eux. Donc, dans quel contexte, est-ce qu'on est dans un contexte qui est critique ou non ? On parlera tout à l'heure, je pense, beaucoup à la technique de la justice. On est dans un contexte critique. L'objet, la finalité de l'algorithme, à quoi sert-il ? Est-ce qu'il fait ce pourquoi il a été créé ou ce pourquoi il a été acheté par un organisme public ou privé ? Et les informations dont on dispose, est-ce que lorsque vous parlez à un chatbot, vous savez que c'est un chatbot ? Est-ce que lorsque vous êtes filmé dans un espace public, vous savez que vous êtes filmé dans un espace public ? Et est-ce que lorsque vous faites l'objet, par exemple, d'une décision qui a en partie ou totalement été, comment dire, j'allais dire, décidée, mais en fait ça me dérange de le dire parce que c'est faux. Merci de traiter à l'aide d'un algorithme. Est-ce que vous avez un recours effectif contre cette décision ? Ben, y a quand même des choses qui sont assez bien ancrées dans notre cerveau. Quand on se dit 1+1, on se dit ça fait 2. Donc, voilà. Et donc, un peu par capillarité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va se dire un algorithme qui est mathématique va avoir cette force-là et cette crédibilité-là. Mais il y a quelque chose auquel il faut faire gaffe, c'est que ce n'est pas parce qu'on a inventé un marteau que tous les problèmes sont des clous. C'est-à-dire que notre traitement mathématique, nos algorithmes, c'est une image de Evgeny Morozov, notamment dans Pour tout résoudre, cliquez ici, où prend cette image-là du marteau et des clous. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on arrive à, par exemple, jouer au jeu de Go. C'est formidable. Hein. Super coup de marketing aussi. Hein. Google qui fait très très bien, qui vend très bien ses outils d'intelligence artificielle avec ça. Et on se dit, mince, un jeu de Go aussi complexe, eh bien on arrive à faire des choses aujourd'hui saisissantes. Mais le jeu de Go, c'est des pierres noires, des pierres blanches, 19 lignes sur 19. On n'a pas d'un coup une pierre rouge qui apparaît où les règles du jeu ne changent pas. Et donc, pour conclure sur ça, ce qui aujourd'hui, je pense, il faut qu'on y travaille, ça collectivement, sur la représentation, c'est qu'on a un outil qui fonctionne très bien et qui calcule très bien, mais ce n'est peut-être pas transférable et généralisable à tous les cas d'application. Oui, c'est ça. Parce que cette question de la confiance dans les algorithmes, moi, je l'ai vu apparaître dans le débat public avec le traitement du fil du newsfeed de Facebook, qui, effectivement, choisit. Il y a eu un moment dans le débat où les gens ont tout d'un coup découvert que, en fait, il y avait un algorithme qui triait et que vous ne voyiez pas tout ce que les gens postaient parce qu'il y avait un algorithme qui avait choisi pour vous. Et là, les gens se sont dit que, pardon, quoi ? Mais comment ? Et effectivement, c'est rentré dans ce débat-là. Mais il se trouve que maintenant, des algorithmes, il y en a dans la justice, il y en a dans la reconnaissance faciale vidéo, il y en a dans la musique, enfin voilà, il y en a absolument partout, et que c'est pas clairement évoqué, alors, en fait. Donc... Ce qui est difficile. Je t'en prie. Peut-être juste une parenthèse sur le discours. Je pense que c'est important de préciser. C'est pas vraiment l'algorithme qui choisit. L'algorithme agit en fonction d'une formule et en fonction de la façon dont il a été créé. Moi, ça me gêne qu'on utilise les algorithmes en tant qu'objet dans une phrase. En tant que sujet, pardon, dans une phrase. C'est pas le. Pour moi, ça peut pas être le sujet de. Oui, c'est forcément un processus. C'est forcément un processus et le sujet, c'est forcément celui qui a conçu l'algorithme. Ben, c'est le contexte dans lequel il est utilisé, c'est les créateurs, c'est la façon dont il va évoluer dans le temps en fonction de sa capacité d'apprentissage. Mais ce n'est pas un algorithme en soi qui prend une décision. Ce qu'évoque Imane, c'est vraiment la notion d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que. On parle d'intelligence artificielle, on pense à 2001, Blade Runner, ce qu'on veut. Voilà. On a un peu cet imaginaire-là. Et Imane, tu as tout à fait raison de vraiment souligner le fait que derrière, il y a des mécaniques très sophistiquées, essentiellement statistiques, et dans lesquelles, et ça c'est très important dans les termes de débat, des arbitrages sont réalisés. Et d'ailleurs, on pourra en reparler de cette question de par le processus, donc. Par le concepteur. Par le concepteur. Le concepteur, il va choisir des données, dans certains cas... Il va choisir les labels de ces données, donc la manière de les catégoriser et ordonner quelque chose, c'est déjà arbitré, c'est déjà choisir une représentation de la réalité. Donc c'est pour ça que dans le débat que tu évoquais, à savoir aujourd'hui, on a des algorithmes un tout petit peu partout. D'ailleurs, on a des briques parfois. On parle d'intelligence artificielle. En réalité, c'est des systèmes beaucoup plus complexes. On a des briques procédurales, on a un tout petit peu d'apprentissage machine, on a des choses comme ça, mais qui, en réalité, sont le reflet de choix et d'arbitrage de concepteurs et où moi, j'aime bien les équilibres démocratiques. Je suis désolé, je pense que ça, c'est un peu réussi quand même, pour avoir un peu des périodes de paix, des choses comme ça, le développement humain, je pense que ça a du sens. Et bien là, on commence à laisser peut-être, parfois dans certains cas, un peu trop seul certains concepteurs.
Qu'est-ce que tu pourrais citer comme exemple, justement, où tu as l'impression que l'algorithme est finalement n'a pas de laisse, ou alors a trop de pouvoir par rapport à son concepteur. Je laisserai Imane préciser, parce qu'on peut rentrer dans le domaine de la justice, qu'on connaît tous les deux peut-être un peu mieux. Oui, mais justement, forcément, de toute façon, on va essayer de rester sur les algorithmes décisionnaires. Ouais. C'est les algorithmes qui ont une... qui arrivent à qui prennent une décision, qui vont s'imposer aux êtres humains. Donc, on va prendre l'exemple très connu. Désolé hein, pour l'audience, si vous l'avez déjà entendu, c'est l'exemple un peu tarte à la crème quand on parle d'algorithme. L'algorithme Compass aux États-Unis, qui est un algorithme qui vise à conseiller, assister, c'est présenté comme ça, le juge pour évaluer la dangerosité, le risque de récidive des individus. Donc, je pense que c'est un très très bon exemple. Pourquoi ? Parce que le capot du moteur a été un peu soulevé par une ONG qui s'appelle ProPublica, qui a publié en 2016 une étude très précise sur le sujet. Alors, étude qui a été contestée par ailleurs par d'autres scientifiques, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je vais essayer de partager avec vous des éléments saillants qui me semblent mériter notre intérêt. C'est de se dire que cet algorithme Compass a été entraîné à partir de données sociologiques américaines, hein, de l'école de Chicago notamment, enfin d'autres études de cette nature-là, de la statistique pénale, et un questionnaire de 137 occurrences, où quelqu'un qui est mis en cause va devoir répondre à des questions qui, nous, d'ailleurs, nous paraîtraient un peu, comment dire, triviales. Par exemple, est-ce que la brutalité sur les animaux est quelque chose que vous admettez ou pas ? On est un peu sur ce genre de choses. Et l'algorithme sort un score entre 1 et 10. Ouais. Et l'ONG a démontré que les populations afro-américaines étaient pondérées d'un score de risque de récidive plus important que d'autres communautés, notamment les populations blanches, et avec des écarts saisissants. Alors, qu'est-ce qui pose comme question ? Est-ce que les concepteurs sont des suprémacistes blancs ? Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu, à dessein, discriminer la population afro-américaine, et pourtant, c'est le cas. Et c'est le résultat de leurs arbitrages et du paramétrage des algorithmes. Où ils ont voulu, comme un potentiomètre, ils s'essayent, et puis ils se sont dit, ça ne semble pas trop mal, et ils ont créé énormément de faux positifs. Et donc, la question, quand on parle de question de responsabilité, eh bien, par qui sont-ils surveillés ? Comment cet arbitrage a été fait ? Quel est le contre-pouvoir derrière ça ? Mais j'ai peut-être été imprécis, Imane, sur l'exemple. Oui, c'est un excellent exemple. Il y a une expression qu'on utilise souvent qui est « garbage in, garbage out ». Donc, en français, ça serait « déchets à l'intérieur, déchets à l'extérieur », qui pose aussi la question de la qualité des données qu'on utilise pour créer un algorithme. Et donc, dans l'exemple qui était cité par Yannick à l'instant, Compass, il faut aussi poser la question du type de données. Donc, c'est des données pénales. Il y a forcément un biais qui discrimine. Dans les données qui est utilisées pour l'algorithme Compass, c'est des données pénales. Et on connaît l'histoire pénale aux États-Unis où il y a une disproportion vraiment évidente d'incarcération des populations noires. Alors évidemment, quand on prend cette donnée-là et qu'ensuite on en fait, pour simplifier, un algorithme qui doit permettre au juge, et ça aussi c'est un autre débat, mais qui doit permettre au juge de prendre une décision à l'aide d'un système qu'il ou elle ne comprend pas, évidemment on a un déchet à l'intérieur qui vient dans l'algorithme et on a un score à la fin qui ne fonctionne pas. C'est la première chose. Et puis la seconde chose, mais je rebondis sur ce que tu dis, donc la seconde chose, c'est aussi l'effet performatif. C'est-à-dire lorsque, de manière générale pour les juges, mais de manière générale pour l'ensemble des citoyens que nous sommes, où on va avoir des systèmes d'aide à la décision. Et c'est ce que Yannick disait tout à l'heure, Compass, c'est un système qui est présenté comme étant comme assistant le juge. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le juge, il dit est-ce que cette personne va récidiver ? Bon, il a exactement le score Compass parmi d'autres informations. Oui. Et la question qui se pose, c'est la personne qui juge, lorsqu'elle a un tel système, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que, a priori, en tout cas, en l'état des choses, je parle pour la France, mais en l'état des choses, il ne me semble pas qu'on ait atteint un niveau de compréhension et de compétence qui soit suffisant dans le monde judiciaire. Moi, je suis avocate, donc je fais attention parce que j'ai un magistrat à ma droite. Mais ça va. Voilà, on n'a pas un niveau compétence qui permet de se dire que les juges, les magistrats français, mais les avocats aussi, peuvent comprendre les systèmes qu'ils utilisent. Et donc, disons que je suis juge, j'ai fait un autre choix de carrière pour des raisons évidentes, mais disons que je suis juge, j'ai un score de 8 sur 10,
C'est difficile de le remettre en cause. Voilà, c'est difficile de le remettre en cause. Et si je devais le remettre en cause, il faudrait que j'explique ma décision et on change de système démocratique, puisqu'on tombe dans un système où il faut expliquer son choix qui va à l'inverse du choix d'un système. C'est un point crucial, parce qu'on m'a appris, quand j'ai été formé aux fonctions judiciaires, à motiver en droit et pas contre une décision calculé par un automatisme, quel qu'il soit. Et donc, pour un état de droit, enfin, tel qu'on se représente aujourd'hui la place du droit et de la loi, c'est extrêmement choquant de se dire qu'on arrive à devoir motiver contre ou pour un algorithme, et non plus en fonction de la situation individuelle et en droit. Parce que ce système de scoring, finalement, des gens, il intervient à de multiples occurrences. Les gens sont triés, en fait, en permanence, hein, quand ils prennent un billet d'avion, etc. Ou même, par exemple, quand ils doivent prendre un nouveau compte bancaire. Le système établit un score. Et à la fin, vous avez la réponse si la banque vous autorise à ouvrir un compte ou pas. À aucun moment, c'est expliqué. Est-ce que ça, finalement, c'est autorisé aujourd'hui ? Quel est le cadre légal qui existe, qui permet de donner des notes, finalement, à des parcours de vie, alors sur des critères qui sont flous, mais en fait, voilà, est-ce que aujourd'hui, on peut mettre un parcours humain dans un algorithme qui fonctionne en machine learning pour qu'il en sorte une note? Est-ce que ça, c'est légal aujourd'hui, finalement? Je dirais que dis-moi Yannick, c'est-à-dire avec ça, je pense que la réponse juridique prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes différentes. Il y a beaucoup de textes qu'il faut savoir articuler entre eux. En fonction de l'objet et du secteur dont on parle. Par exemple, pour ce système-là, disons, on a un risque in fine de violation de droits humains si jamais il y a un faux positif, si jamais ça fonctionne mal, etc. Il y a pas mal de régulations qui existent déjà. Pour n'en citer que quelques-unes, en France, il y a la loi de vigilance qui oblige certains groupes qui dépassent un certain seuil à établir des cartographies des risques, à suivre les risques que ces organismes prennent, et également ils doivent surveiller, si vous voulez, leur écosystème de prestataires, sous-traitants, etc. Et moi, je pense que les risques numériques font partie de ces cartographies des risques-là. Donc, dès lors qu'une société qui est soumise à la loi de vigilance utilise un système d'IA qui peut interdire l'exercice d'un droit à quelqu'un, ou qui peut interdire la possibilité. Non, c'est la loi. Donc cartographie des risques globalisée. Donc ça, c'est juste une loi. Il y en a d'autres. Il y a évidemment le RGPD lorsqu'on parle des données personnelles. Et ensuite, donc ça, c'est la loi, c'est la réglementation existante. Mais en fait, moi, vraiment, je refuse de me laisser entendre que les systèmes d'IA existent dans un vide. C'est faux. Le droit s'applique déjà. Je soutiens tout à fait Iman sur ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Far West numérique. Juridique. En revanche, il y a une grande complexité et imbrication de textes qui rend l'exercice des droits potentiellement complexe dans certaines situations. Je ne suis pas un spécialiste du droit bancaire, donc je n'en parlerai vraiment pas avec une grande autorité sur ça. Mais les mécanismes, par exemple, de scoring dans les sociétés de crédit, quels qu'ils soient, aujourd'hui sont dans l'espace public, sont bien connus, et il y a déjà eu, c'est certain, des recours sur ça et des possibilités d'avoir des recours. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, selon moi, c'est l'assemblage, la grande image, j'allais dire la big picture en anglais, je suis désolé, je vais éviter les anglicismes, mais c'est-à-dire la composition de l'ensemble des algorithmes. Qu'est-ce que ça, finalement, toute cette imbrication, quel type de société ça compose? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de grand système centralisé, on a 2-3 lois en Europe, qui voilà, d'autres pays s'y essayent. On voit le système de crédit social en Chine, on en a beaucoup entendu parler, où là, pour le coup, on est sur un système organisé de crédit social, c'est-à-dire que chaque individu, on est un peu dans l'épisode de Black Mirror, je crois que c'était, enfin bref, voilà, où chacun a son petit score et on a accès à des services publics ou pas, on a accès à certains types d'appartements ou pas, fait-là. Alors, la proposition de règlement de la Commission européenne a été publiée, alors c'est une proposition, j'entends bien, c'est pas encore une loi on pourra en reparler, qui est pas du tout effective, à poser dans les systèmes, dans les interdictions, les prohibitions totales de système, ce crédit social. C'est-à-dire que le législateur européen va mettre en place un système qui va interdire
aux États, dans notre espace européen, de telles pratiques. Ouais, tout simplement parce qu'encore une fois, et c'est toute l'inventivité de législateurs en 78 qui avait réagi au projet Safari, qui était déjà un projet de centralisation. Oui, c'est, alors il faut rappeler ce que c'était. Ouais. Voilà, c'était l'interconnexion de fichiers, hein, de fichiers de santé avec des fichiers de police, de façon basée sur le numéro de sécurité sociale, de façon à faire un énorme fichier. Ouais. Et donc ça, la loi informatique et liberté est née de ça. On est en Suède, en Allemagne, dans les années 70, des législations identiques ont été prises avec la conscience que, encore une fois, c'est cet ensemble-là qu'il faut parvenir à réguler. Mais alors, j'ai l'impression qu'effectivement, dans les années 60, enfin, à la fin des années 70, il y a eu cette prise de conscience parce que bon, l'informatique commençait à traiter rapidement un grand nombre de données. Dans le débat démocratique, j'ai l'impression qu'on a un peu reculé quand même. Il y a encore avant-hier, il y a un sénateur, le Sénat, qui a sorti un rapport disant qu'il fallait utiliser les données personnelles dans un objectif de répression. C'est la question des algorithmes, de la transparence et de l'éthique des algorithmes, je ne suis pas sûr qu'elle soit très prégnante dans le débat public. Iman, je te laisse. Mais j'en suis pas persuadée. Je trouve que la proposition de règlement de la Commission européenne est aussi un très bon exemple. La proposition en soi n'existerait pas si ce n'était pas un sujet public et s'il n'y avait pas une attention particulière justement à ces risques qui sont posés par les systèmes d'IA. Parce que c'est l'approche de la Commission européenne. C'est une approche par les risques qui vient interdire certains systèmes d'IA en fonction des risques que ceux-ci posent. Donc je ne suis pas persuadée qu'il y ait peu d'attention du public par rapport à ces questions éthiques et sociales. Moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience publique qu'il y a quelque chose qui se passe. La littérature scientifique sur le sujet, on peut avoir parlé des sciences sociales, des sciences humaines, en droit, est extrêmement abondante sur le sujet. Ce qui, en revanche, a du mal à transférer, c'est dans le débat public. Débat public où, on va se le dire, il y a une préoccupation sécuritaire aujourd'hui. On va voir dans le débat de la présidentielle, vraisemblablement, ça va faire partie des questions qui sont... Et du coup, le numérique est convoqué assez naturellement comme étant une des solutions possibles aux multiples problèmes qui sont posés. Et moi, ce qui me pose aujourd'hui de difficultés dans le débat, c'est la place de la science là-dedans. On l'a vu pour le Covid, chacun est expert de l'instant. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, j'espère en tout cas avec un minimum de modestie, hein, parce que voilà, je pense qu'il faut toujours avoir conscience de ses propres limites et de sa compréhension des sujets. Donc chacun est expert de l'instant, se forge un peu son opinion, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que ça sait faire exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une administration objective, par exemple, de l'utilisation des algorithmes avec de la jurisprudence? Pour le reformuler, eh bien, si on utilise des grandes machines pour essayer de détecter des tendances de jurisprudence en mettant qu'est-ce qu'on crée, eh bien, on ne crée pas nécessairement du savoir. On crée peut-être une analyse, on découvre des choses. Mais il faut vraiment, et c'est en tout cas moi une de mes convictions, hein, je crois qu'il faut arriver à instruire aujourd'hui le débat, pas avec de la mauvaise science, mais avec des personnes qui sont en capacité de vulgariser des réalités qui ne sont peut-être pas celles aujourd'hui des décideurs publics, qui ne sont peut-être pas celles de l'opinion publique. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quoi? Un observatoire des algorithmes ou des principaux algorithmes ou des algorithmes les plus déterminants? Comment est-ce qu'on peut progresser là-dessus? Parce que, effectivement, si on crée un algorithme de jurisprudence pour s'éviter d'aller fouiller dans une bibliothèque de décisions, pourquoi pas? Mais qui peut valider que cet algorithme fonctionne? Est-ce que ça c'est possible finalement? Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais tu pourras rebondir sur l'idée d'une autorité des algorithmes tourne un peu. Voilà, on l'a vu dans certaines propositions. Mais revenons aussi. Est-ce qu'on crée un autre millefeuille administratif? C'est-à-dire aujourd'hui, on a des autorités de protection des données qui sont spécialisées des gens dans le domaine des algorithmes. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les renforcer? J'ai pas de solution toute faite sur étagère. Je suis désolé, je vais venir aussi avec des questions. Mais donc pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a les autorités de protection des données qui interviennent dans un champ très précis qui sont la loi informatique et liberté en France, le règlement général de la protection des données et qui s'intéressent à l'application des algorithmes dès lors qu'il y a de la donnée à caractère personnel. Mais il y a un petit angle mort. Le petit angle mort, c'est quand on a des données bien, qui sont
anonymisés, pseudonymisés, on pourrait dire aussi, c'est-à-dire qui ne sont pas tout à fait anonymisés, et sur lesquels ben, le règlement ne va pas nécessairement s'appliquer. Prenons Google, par exemple, ou Facebook. Ils ne vont pas nécessairement utiliser nos noms, ils s'en fichent. Ouais, ce qui les intéresse, c'est de créer des profils cibles pour de la publicité. Mm-hmm. Et ça, ce genre de régulation, c'est ce à quoi s'intéresse aujourd'hui le législateur européen. Non, il faut passer de, je pense que je suis d'accord avec toi, Yannick, il faut passer de la protection de l'individu, qui est un peu le sens et la finalité des réglementations qu'on a aujourd'hui, le RGPD par exemple, qui vient protéger vos données à caractère personnel, vos identifiants, vos noms et prénoms. Il faut passer de cette protection-là à une protection du collectif et qui vient protéger les informations qui sont relatives à ce type de personnes. Ouais. Parce que voilà, finalement, les sociétés dont le business model est tourné autour de la donnée s'intéressent peu au fait que vous aimiez les pommes. Mais ça intéresse énormément de monde de savoir que vous êtes dans une communauté qui adore les pommes. Et comme il y a cet angle mort de cette protection du collectif qui n'existe pas encore, je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre aussi. Et bien donc sur cette question de la transparence finalement des algorithmes, pour l'instant on est bloqué. Enfin, on peut pas aller soulever le capot d'un processus et dire cet algorithme est fiable, cet algorithme n'est pas fiable, cet algorithme est biaisé, cet algorithme n'est pas biaisé. Ça dépend. Désolé, on fait beaucoup de nuances ce soir. Il en faut. Non, mais je pense que ça dépend. Il y a la transparence de l'information qui requiert quand même très peu de techniques. Il ne faut pas beaucoup de techniques pour informer les personnes qu'elles font l'objet d'un système d'aide à la décision. La transparence, le premier pas de la transparence, c'est quand même c'est l'information, et c'est l'information qui ensuite permet le respect d'autres droits fondamentaux. Si vous ne savez pas que vous faites l'objet d'une décision par système d'IA, j'ai du mal à appréhender comment est-ce que vous pourriez défendre vos droits ensuite. Donc l'information, c'est pas si difficile que ça. Ensuite, il y a la question de la robustesse, qui est un peu plus difficile, mais qui en soi n'est pas un obstacle non plus. C'est à quel point est-ce que votre système d'IA opère dans un environnement qui est sécurisé, à hauteur évidemment des connaissances actuelles. Et ensuite, et là effectivement, il y a la question de l'explicabilité. Donc à quel point est-ce qu'on peut expliquer comment fonctionne un système d'IA? Et là, effectivement, ça va dépendre des systèmes d'IA, mais rien n'est insurmontable. C'est vraiment, il faut toujours se poser la question du contexte et de la finalité. Et si on est dans un contexte qui critique, la question de démocratie qui se pose, c'est est-ce qu'on souhaite utiliser des systèmes d'IA qu'on ne peut pas expliquer dans des contextes aussi sensibles? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qu'il faut poser, je pense, à l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'il faudrait finalement assumer le fait que la décision, enfin le résultat d'un algorithme, n'est pas explicable ? Mais en fait, vraiment, c'est le cas d'application qui intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me suis un peu, de manière un peu abstraite, je me suis intéressé à ça en me disant, mais bon sang, comment on pourrait se sortir de la quadrature du cercle entre la transparence, la protection de la propriété intellectuelle ? Le secret des affaires, c'est pas anodin, parce que quand on investit un peu d'argent pour construire un système, on n'a pas forcément envie que tout le monde... Et il y a un exemple qui n'est pas parfait, mais qui est intéressant, c'est l'industrie pharmaceutique, dans lequel il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour protéger de la propriété intellectuelle, tout en s'assurant comme, à minima, hein, je ne veux pas rentrer ici dans le débat sur la pharmaceutique, parce qu'on pourrait aussi en... Mais à minima, il y a quand même un peu plus de confiance aujourd'hui que dans les années 50 dans les produits pharmaceutiques. On a progressé sur cette question-là par des méthodologies de certification, c'est-à-dire d'intervention de tiers, sachants, experts, qui pour le coup sont en capacité de soulever le moteur si c'est nécessaire. Et enfin, je vais peut-être vous choquer en disant ça. Parfois, on se fiche de comment le moteur là, fonctionne. Mais c'est ça. Ouais. Il y a des cas d'hypothèse, des cas d'application. Je vais vous dire une bêtise. Hein. Si vous avez un outil qui aide à discriminer des chats des chiens, par exemple, hein, et voilà, moi, je me fiche du tiers comme du quart, comment, en m'amusant sur Internet, l'algorithme arrive à être entraîné comme ça. En revanche, si j'ai une décision d'un service public qui a un enjeu important sur mes droits, l'état des personnes, ma situation économique, là, j'ai plutôt envie qu'on arrive à me l'expliquer. Et je conclue avec ça. C'est peut-être la raison pour laquelle les juges aujourd'hui sont obligés de motiver à minima leurs décisions. C'est-à-dire que l'idée de motiver, d'expliquer, c'est la rendre attaquable, la rendre opposable aussi, mais la rendre attaquable et une révision impossible sur la base du raisonnement qui a été mis noir sur blanc. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est des algorithmes qui motivent leurs décisions.
Ben, bon courage. Parce que il y a aujourd'hui des trucs qui arrivent à rédiger. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la GPT-3, par exemple, d'OpenAI, ça arrive à rédiger des choses de manière assez convaincante. Maintenant, rédiger faire un raisonnement juridique, je ne l'apprendrai pas à Iman, c'est beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de simples règles logiques dans lesquelles on s'insère. Et vous pouvez avoir en plus des conflits de texte. L'application de la Convention européenne des droits de l'homme en France est le fait, avant tout, pas que, mais avant tout, des juges de première instance qui ont décidé de pouvoir interpréter, utiliser leur pouvoir d'interprétation pour pouvoir aller chercher un texte fondamental au-dessus des lois françaises et en disant « c'est applicable dans notre droit ». Donc l'humain, l'algorithme ne l'aurait jamais fait. Parce que logiquement, il aurait appliqué maladroitement peut-être une formule mathématique sur ça. Et tout ce, cette capacité de plasticité, d'interprétation, c'est ça qui fait l'équilibre de la justice et qui fait qu'elle a ses biais. Je ne dis pas que c'est... mais voilà. On l'accepte en fait. C'est-à-dire que ce qu'on accepte d'un processus humain, le biais d'un juge, les biais d'un juge, on les accepte. Inconsciemment, enfin, on sait que c'est là, on n'est pas prêt forcément à l'accepter d'un algorithme. C'est ce que... Ben, un algorithme, il a quand même un petit vernis qui est très différent. Hein. Dès le début de notre conversation, on l'a placé. L'autorité de l'algorithme. Ouais, ouais. Hein. Et je vais vous prendre un exemple un peu bête, c'est le GPS. Moi, je fais super confiance à mon GPS parce que j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Et quand le GPS me dit va à droite ou à gauche, voilà, ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Eh bien, on a plutôt tendance... À le croire. Plutôt que le panneau. Voilà. Des juges, vous en mettez trois ensemble, vous n'aurez pas nécessairement trois personnes qui sont d'accord. Ouais. Et c'est aujourd'hui, et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qu'on peut regretter, en tout cas, je le regrette à titre personnel, c'est qu'il y ait de moins en moins de collégialité, parce que c'est cette collégialité-là qui rend la capacité de neutraliser des biais, ou en tout cas d'avoir des décisions un peu plus objectives. C'est l'effet performatif dont on parlait tout à l'heure. C'est on a un système d'IA qui va nous dire de faire quelque chose, ou qui va assister dans une décision et qui va indiquer que telle serait, entre guillemets, avec tous les guillemets du monde, la bonne décision. Et il y a une tendance naturelle à agir dans le sens de ce qui a été conseillé, mais aussi parce qu'il y a un défaut de connaissance sociale sur le fait que les algorithmes, c'est pas de la magie, ça peut se tromper, c'est des processus qui sont créés par des humains, qui sont basés sur la donnée humaine, et donc nécessairement il y a des erreurs. Mais alors, est-ce que ces erreurs, est-ce que ces biais, est-ce que ces ces détours pour arriver à une décision sont identifiables, pris en compte quand on parle de responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'après une décision d'un algorithme, est-ce que c'est attaquable aujourd'hui est-ce qu'on a des recours finalement quand une décision a été prise Oui, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le droit s'appliquait aux décisions des systèmes d'IA, aux algorithmes de manière générale. De manière très classique, il y a les mécanismes de la responsabilité civile qui s'appliquent. Dès lors qu'il y a un dommage, il y a un préjudice qui a eu lieu, toute personne qui a subi un dommage a droit à réparation. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des problématiques ensuite de charge de la preuve. Mais le droit s'applique, et donc dès lors qu'il y a une erreur qui a été commise, qui a engendré soit une violation des droits humains, etc., il y a nécessairement les mécanismes de droit classiques qu'on connaît qui peuvent s'appliquer. Il ne faut pas oublier tout simplement aussi le règlement général de la protection des données, l'article 22, qui prohibe, dans un certain nombre d'hypothèses, l'utilisation d'algorithmes pour des décisions individuelles. Donc quand on disait qu'on n'est pas dans un no man's land juridique... C'est que ça a déjà été cadré. Aujourd'hui, alors l'angle mort, je le disais, c'est quand on n'a pas de données à caractère personnel. Mais là, très précisément, sur l'exemple que tu prends, si tu as une décision qui est opposable à quelqu'un, qui entraîne des effets juridiques, économiques, etc., relativement importants, il y a des exceptions à l'article 22, je crois que c'est l'article 47 de la loi informatique et liberté, il y a des exceptions, notamment dans le scoring bancaire, etc., mais il y a toujours des voies de recours qui sont possibles, comme tu l'évoquais, sur les mécanismes communs, et surtout la prohibition de principe là-dessus. Donc, on voit qu'on a une... C'est interdit, en fait. Une mécanique... Vas-y, je t'en prie, complète. La prohibition de principe,
elle exclut les systèmes qui, les décisions qui ne sont pas uniquement prises sur la base de systèmes automatisés. Donc il y a un deuxième angle mort qui est le suivant, c'est-à-dire si vous avez un système qui conseille, disons un juge, mais quelqu'un d'autre, de faire une décision, et ensuite il y a une décision humaine sur la base du conseil, d'un processus automatisé. L'article 2, donc la prohibition de principe, ne s'applique pas. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart du temps, on n'a pas de processus complètement automatisé. Il y a toujours une intervention humaine, aussi effective soit-elle, parce que justement, on parlait de cet effet performatif où on a tendance à suivre la décision, aussi effective soit-elle. La plupart des systèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas interdits parce qu'ils ne sont pas uniquement automatisés. C'est la fameuse question, alors désolé de l'anglicisme, « human in the loop », l'humain dans la boucle. Ce n'est pas la panacée. On n'a pas nécessairement de garantie très forte en disant « mais juste, il y a un humain dans la boucle qui va pouvoir décider ». Il y a à mettre en place tout un dispositif pour s'assurer que l'humain exerce sa pleine et entière responsabilité et expertise. Oui, mais avec les limites qu'on disait effectivement au début, qui est que c'est compliqué quand on a un résultat algorithmique qui arrive avec l'autorité de la banque de données des décisions de justice depuis 1923. C'est compliqué d'aller. Il y a un autre biais que je veux partager avec vous qui est aussi intéressant parce qu'on le connaît assez bien. C'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand on fait les soldes. Vous savez, il y a un prix qui est barré, là. Eh bien, ce prix barré, c'est ça l'ancrage. C'est-à-dire que je fais une super bonne affaire parce que c'est 20% en dessous, 30% en dessous. Le commerçant met ce qu'il veut. Mais vous voyez un peu la logique. La logique, c'est que quand vous avez des systèmes qui viennent dire « Ah ben attention, par exemple, telle affaire, ça vaut, je caricature, ça vaut tant en matière, par exemple, de licenciement. On va dire l'indemnité due est de 10 000 euros. » Eh bien, qu'on le veuille ou non, cette première information qui arrive dans nos processus cognitifs et on l'interprète, elle va rester là. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet qui ne sont pas trop fantaisistes, qui montrent bien que quand vous mettez un panel de juges qui a eu ce type d'information, un panel de juges qui n'a pas eu cette information, eh bien, ils ont plutôt tendance à se centrer sur l'information qui a été donnée. Donc, là où je veux en arriver, c'est que je ne veux pas vous dire que les algorithmes, on ne peut rien en faire, que c'est le danger sur Terre. Je ne veux pas faire Stephen Hawking qui avait dit que, enfin, je respecte à sa mémoire, mais qui avait dit que grosso modo, on allait être anéanti par l'IA. Non, attention, encore une fois, un peu de recul. Moi, j'aime bien quand c'est descriptif, c'est-à-dire quand ça aide à comprendre ses propres biais. Et moi, je trouverais que ça, comme rétroviseur pour les juges, et ce n'est pas l'avocate qui me démentira là-dedans, dans mon raisonnement, c'est de se dire un peu de rétrospection. Mais finalement, comment je décide ? Nos juges américains, là, en fait, quand ils ont ce scoring, ils sont encouragés à renforcer leur propre biais avec ce mécanisme-là. Si en revanche, on leur tend miroir et on leur dit vous condamnez beaucoup plus les populations afro-américaines, réfléchissez quand vous êtes dans ce processus-là sur le quantum de la peine, sur le principe même de la peine, ça, c'est intéressant. Mais pour ça, encore une fois, c'est vraiment toute une question de place. Est-ce que je le place dans une mesure descriptive ou prescriptive. Mais est-ce que les juges américains, je te repasse la parole tout de suite après, est-ce que les juges américains, quand ils motivent leur décision, est-ce qu'ils mettent dans leur motivation le résultat de... Compass. Est-ce qu'ils mettent le résultat de Compass Je vous dirais une bêtise. Il y a juste une affaire qui est arrivée à la Cour suprême du Wisconsin. On aimerait bien le savoir. Voilà. Je pourrais citer l'affaire Loomis qui est arrivée à la Cour suprême du Wisconsin. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que je ne le connais pas, simplement, Pierre. Donc je ne veux pas m'en exprimer du tout. Je ne sais pas quelle est la composition exacte d'une décision américaine. Ce que je peux dire, en revanche, c'est ce qu'a dit la Cour suprême dans ce cas précis. Elle a dit que le juge avait sa pleine et entière capacité d'interprétation et que, grosso modo, c'était à lui d'être responsable de sa décision et que ce n'est pas grave, finalement, si on avait un algorithme potentiellement biaisé. Ouais, ouais. Mais c'est important, ça compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de l'encadrement des algorithmes... Alors, la Commission européenne vient avec une proposition de règlement qui est plutôt... sur la sécurité des produits, sous un angle de régulation du marché, mais pose des principes qui me semblent aujourd'hui peut-être pas entièrement satisfaisants, mais très intéressants à débattre. Et tu l'évoquais, le débat de société, ça nous permet de l'avoir aujourd'hui. Je voulais ajouter une seconde chose par rapport à ta question sur les recours et le droit. Il y a effectivement tout ce que vous avez dit sur les conséquences
négatives en termes de dommages et les conséquences d'utilisation du déploiement des systèmes d'IA. Donc ex post après, mais il y a aussi cette prise en compte par le droit du risque en amont de la survenance du risque. Je m'explique. Il y a effectivement les mécanismes de la responsabilité civile classique. Il y a eu un dommage, un préjudice, on va venir le réparer, mais c'est trop tard. La compliance, de manière générale, la conformité, l'idée même de la création de ce droit, c'est d'éviter la survenance d'un dommage et on va prévenir le risque. Notion diffuse, parce que les risques en soi n'existent pas. Mais... Donc c'est la prévention du risque. Et là aussi, il y a des mécanismes de responsabilité qui s'appliquent, puisque les entreprises qui déploient des systèmes d'IA ou qui les créent, etc., sont soumises à des obligations. Donc soit c'est des obligations de RSE, la loi vigilance, etc., que je mentionnais tout à l'heure, mais il y a d'autres obligations, notamment par exemple le principe de précaution, qui peut être compris par le juge comme étant une faute civile, lorsqu'il n'y a pas eu de prise en compte d'un risque par une société. Donc si vous voulez, il faut vraiment balayer les éventuelles violations des droits humains, les éventuels dommages qui peuvent être les conséquences de l'utilisation des systèmes d'IA de manière large, en amont, avec cette prise en compte des risques par le droit, et ex post, dès lors qu'il y a eu un dommage qui s'est réalisé, la réparation de ce dommage-là. Oui, je pense que ce mécanisme-là de compliance, après je vais arrêter, je ne vais pas être trop... Et vraiment aujourd'hui, la tendance lourde, tu parlais d'éthique, on n'en a pas beaucoup parlé, et peut-être à juste titre, parce qu'il y a une grosse... Désolé du terme, de confusion. J'ai un peu l'impression que éthique et algorithme, c'est un peu un gros mot. Mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans la notion d'éthique, et j'en ai pas mal eu des développements dans mon bouquin, j'ai vraiment creusé la question, parce que je me suis dit, bon sang de bonsoir, c'est super intéressant. Je suis parti là-dessus en me disant, ben, on a des grands principes, la transparence, la responsabilité, c'est super intéressant, que des concepteurs, j'ai eu la chance de faire un peu d'informatique dans ma vie avant de faire du droit, donc je trouvais ça, moi, d'un point de vue technologique, hyper important. Et puis, j'ai vite déchanté, parce que l'éthique... Il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire, on a beau, de manière incantatoire, dire « il faut faire ci, il faut faire ça », qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui si on ne respecte pas ces principes-là ? Rien. Alors, ça dépend. Alors, dis-moi, c'est la charte AI de Google, la charte AI de Google, qu'est-ce qui se passe s'il la enfreint ? S'il ne la respecte pas, rien. Mais je te laisse la contradiction. Oui, non, mais c'était juste pour t'embêter. Mais alors, ça dépend un tout petit peu. Évidemment, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais simplement qu'il y a quand même, en tout cas en France, les pratiques commerciales déloyales. Par exemple, si vous êtes une société, que vous créez de l'IA et que vous indiquez que c'est une IA qui est responsable et qu'en fait, en amont, vous n'avez absolument rien fait pour vérifier ce que vous dites, etc. Il y a quand même cette éventuelle sanction. Éventuelle, Google, effectivement, il n'a jamais été sanctionné. Mais je tiens quand même à dire que le dispositif juridique existe et qu'on peut être, par exemple, sanctionné sur le principe des pratiques commerciales. Oui, mais en termes d'administration de la preuve, je me mets... Sûr, oui. Bah, mais alors, je ne veux pas invalider ça, mais pour... caricaturer mon propos en très grand trait, l'éthique, comme je le disais, en effet, n'est pas systématiquement sortie de sanctions. Et pour moi, c'était ça sa faiblesse. Et la compliance vient en réalité, en amont, s'appuyer sur des mécanismes, eux, de droit dur et réel, de façon à ce que l'entreprise prenne des mesures avant. Donc ça, c'est quand même une amélioration, si je puis dire, relativement importante, où moi, à force de lire des chartes éthiques, désolé, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu cette réaction, une petite lassitude, en me disant, mais c'est super que les uns ou les autres opérateurs déclarent et jurent vraiment au grand Dieu que ça va être parfait. Et puis, enfin, voilà, on a quelques documentaires qui nous montrent aujourd'hui ce qu'est la réalité quand même aujourd'hui du fonctionnement aussi de certaines entreprises. Donc cette compliance, je crois, aujourd'hui, est à saluer en ce qu'elle apporte. Mais attention, je ne vais pas ouvrir un autre débat, ce ne sera peut-être pas suffisant. Ouais, d'accord. Alors, je rappelle à notre public qu'il peut poser des questions. Donc, il vous suffit pour cela de lever la main. Voilà, eh bien, c'est formidable. On a déjà une première question. Je crois que c'est à moi de me déplacer avec mon micro. Donc, je vais le faire tout de suite. Bonsoir. Ma question est la suivante. J'ai bien compris l'intérêt de tout ce dispositif dans des dispositifs commerciaux, etc., qui vise à repérer des comportements d'une façon générale. Mais qu'est-ce qui a fait que l'utilisation des algorithmes intervient dans le droit des personnes ? En quoi est-ce que ça intervient ? On n'est plus du tout dans l'analyse humaine.
puisqu'on demande à une machine d'analyser, si j'ai bien compris, le système algorithmique, que je ne suis pas spécialiste, des comportements, et à partir de ces comportements analysés, de déduire que. Moi, ça me paraît particulièrement dangereux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme exemple, c'est ça que vous souhaiteriez qu'on développe ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des algorithmes pour la justice des personnes ? Ouais, j'entends. En fait, on n'a pas nécessairement besoin. Désolé d'être aussi direct, mais voilà. Comme tout outil, comme tout nouvel instrument, aujourd'hui, on a cette fantastique possibilité d'utiliser les ordinateurs pour diverses applications. Ça, c'est quelque chose d'assez saisissant. Titre personnel, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous raconter ma vie sur le sujet, mais très petit, 10-12 ans, déjà, j'étais complètement fasciné par ça. Mais on se rend bien compte que, comme tout outillage, il y a des endroits sur lesquels on peut s'y essayer, mais on se rend bien compte que ce n'est pas nécessairement utile. Et donc, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, il y a interroger la notion de progrès. Voyez, je pense que c'est important, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui nécessairement un progrès que de mettre des algorithmes et du numérique partout. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas bien sûr, là, c'est assez personnel, ce que je vous dis, donc j'y mets beaucoup de recul et j'admets ma subjectivité là-dedans, mais moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un modèle de société d'une transition numérique vers tout numérisé, tout mis en données et algorithmisé, pas bien sûr que ce soit un modèle de société qui soit extra... Mais qui nous l'explique, ça, exactement ? Parce que ce que je vous dis, là, pour l'instant, c'est du pur fantasme. Évidemment, aucun décideur public n'a aujourd'hui en tête de tout mettre en algorithme. Mais quand on a inventé l'imprimerie, au XIVe siècle, moi, je suis pas sûr que Gutenberg pensait les conséquences de l'invention de l'outil de l'imprimerie sur ce que ça aurait. Les lumières sont directement liées à la révolution de l'imprimerie. Donc là où je veux en arriver aujourd'hui, c'est que cette transition numérique et l'utilisation de l'informatique a des développements lointains qu'aujourd'hui personne ne maîtrise, et que peut-être l'étape intermédiaire, là où on met tout en numérique, peut-être que laisser un peu des angles morts, ce serait souhaitable. Ouais. Mais c'est très subjectif. Bon, la science-fiction des années 70 a déjà pas mal théorisé à quoi pourrait ressembler une société dont certains principes, certains droits sont régis par des décisions algorithmiques. Mais ce que tu dis, Pierre, est très intéressant, parce qu'une des transitions dont on n'a pas évoqué ici, et ce n'est pas les juristes qui s'accrochent à leurs droits, mais c'est la transformation de la place du droit dans la société. C'est-à-dire que la place des algorithmes aujourd'hui pourrait, je reste très hypothétique, mais balancer, par exemple, j'ai un conflit avec un d'entre vous, mais quel est le désintérêt commercial ? Eh bien, on va prendre dans le big data plein de données et on va essayer de... D'avoir une décision. Par rapport à... Un clic. Ouais. Voilà. Ouais. Des éléments qui sont dans les données, des éléments économiques, d'espérance de vie, d'âge, de tout ça. Mais je pense que si ça existait... et si on promettait genre une décision en 30 minutes ou en 15 minutes, je suis sûr qu'il y aurait des clients. Ouais, mais et justement, c'est cette fausse séduction de la rapidité de la décision. Pourquoi le droit est intéressant ? C'est que quand on vote une loi, on peut l'espérer en tout cas dans les systèmes démocratiques, c'est avant tout l'expression d'un projet politique. Et avant le projet politique, il y a quand même un peu des débats et des élections. Et donc pour redétricoter tout ça, eh bien le droit, la construction du droit qui s'opère, et, on peut l'espérer, l'essence, en tout cas, du sens qu'une population souhaite donner à sa manière de régler les choses. Et le droit est impersonnel. Le droit, c'est une règle générale qui a vocation à s'appliquer à tous. Et non pas de manière extrêmement contingente, faire ce que Dominique Cardon appelle des micro-décisions, à chaque instant. Mais basées sur quoi, exactement ? Donc, il y a un vrai risque pour moi, aussi, sur l'état de droit, c'est-à-dire la place et la primauté du droit aujourd'hui, où... Par séduction de la facilité, moi sur mon smartphone, encore une fois, je me dirige, j'ai plein d'applications, c'est génial, ça me facilite la vie. Mais qu'est-ce que je concède exactement de mes droits, de mes libertés, et encore une fois, le projet de société que ça dessine ? Parce que y a un algorithme qui est très connu, c'est celui de Parcoursup. Ça fait quand même 3 ans, 4 ans que les étudiants, enfin que les lycéens maintenant, se confrontent à une gigantesque machine qui leur sort leur avenir universitaire. C'est quand même pas rien. Nous, ici, on l'a pas connu. Même pas Iman, je pense pas. Parcoursup, non. Mais tous les lycéens qu'on est en train de former aujourd'hui se sont déjà soumis à une décision algorithmique.
importante dans leur vie. Et au Royaume-Uni, cette année, on a eu un bel exemple de problématique d'éthique du numérique, on va dire ça comme ça, étant précisé que le secteur de l'éducation fait partie des secteurs critiques. Et donc, dans au contexte dans lequel utiliser des systèmes d'IA est nécessairement considéré comme à haut risque, en tout cas dans la proposition de réglementation de la Commission européenne qui vient de sortir. Je ferme la parenthèse. Donc, cet exemple qui nous vient de la BBC prouvait que par proxy, les élèves, les étudiants étaient classés en fonction de leur niveau. Et en fait, les élèves d'un quartier plus pauvre, malgré leurs meilleures notes que les moins bons élèves d'un quartier plus riche, étaient amenés vers les universités qu'ils n'avaient pas choisies parce qu'ils étaient considérés comme n'étant pas suffisamment bons. Et donc là, on a un exemple de discrimination par algorithme. Géographique. Ouais. Où la situation sociale, la pauvreté, devient le déterminant de l'avenir dans l'éducation. Voilà. Et alors, c'est là où c'est fou, en fait. C'est parce que j'imagine que cette enquête a nécessité probablement énormément de travail à une ONG ou je ne sais pas. Je l'ai vu dans le Guardian sorti. Je me demande si c'est pas le Guardian qui avait sorti. Donc ça, c'est des journalistes qui sont comme Cambridge Analytica d'ailleurs. Je me trompe peut-être. Ouais. De mémoire, je me trompe également peut-être parce que c'est vrai. Je parle vraiment de mémoire, mais c'était pas une enquête. C'était vraiment les enseignants qui avaient fait une lettre, qui n'avaient pas eu de réponse, et ensuite il y a eu des démonstrations. Merci. Ouais, des manifestations. Et ensuite, on s'est rendu compte des biais. Quoi. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui pose vraiment question. C'est-à-dire c'est que l'effort pour aller contre une décision automatisée ou un résultat automatisé, il est important. Ce qui est surtout choquant pour moi, c'est tout le processus de décision publique qui amène... Alors, parce qu'on a un vrai problème. Hein, on a un vrai problème. La crise sanitaire, il manque des notes aux élèves. Il y avait combien de moyens de pouvoir traiter cette problématique-là? Mais non, on se dit, encore une fois, tiens, on a le numérique, là, qui est le marteau très commode qu'on a inventé. Eh bien, on va utiliser ça. Or, aujourd'hui, on a quand même bien documenté ces risques-là. Je veux dire, dans l'espace public, on sait très bien que les risques sur la qualité des jeux de données, les renforcements des biais, c'est des choses qui sont très présentes. Donc aujourd'hui, il y a une vraie responsabilité des décideurs publics, selon moi, avoir un dialogue sur le numérique, documenté scientifiquement, sincère, c'est-à-dire ne pensant pas que juste... C'est super la croissance économique, j'ai rien contre, hein, mais c'est peut-être pas le seul guide que l'on doit avoir aujourd'hui dans notre société. Alors, on a une question dans le public. On en a deux, même, carrément. C'était une question et aussi un petit peu une remarque sur le propos que vous tenez. Merci beaucoup de nous présenter les travaux que vous faites et votre perspective sur le sujet. Moi, je me pose la question. Je trouve qu'il y a une forme de diabolisation de l'algorithme. Enfin, on a commencé l'échange en disant, une recette, c'est un algorithme. Calculer des multiplications, c'est aussi un algorithme. Et donc, pour moi, il faut faire la part des choses entre les algorithmes qui, en fait, ne sont pas dangereux, mais c'est une forme d'automatisation qui passe la main des humains à... les humains posent les choses et laissent fonctionner la machine sans supervision, d'une certaine façon. Et je trouve que je me pose la question aussi de pourquoi ne pas parler de statistiques plutôt que de machine learning et de parler de vrais positifs, de vrais négatifs, de faux positifs, de faux négatifs, qui rendent les choses beaucoup plus... En fait, une fois qu'on a parlé de ces quatre termes, on peut aller plus loin dans le débat et partir de la peur et parler de choses beaucoup plus constructives. Donc moi, pourquoi en fait, on parle de moins de ça que de points... Enfin, de théorie plus que de cette pratique-là. Merci pour cette question super intéressante parce qu'alors effectivement vous soulevez deux questions. Cette question de la dangerosité des algorithmes, est-ce qu'il y a des algorithmes qui sont sûrs et des algorithmes qui sont douteux ou en tout cas à surveiller. Et puis cette question effectivement de la prégnance statistique et donc de la certitude statistique ou de la fiabilité d'un résultat. Donc ça c'est vraiment ces deux questions qu'on n'avait pas abordées et qui sont importantes dans notre débat. Merci beaucoup.
Oui, merci. Je trouve que la question est très intéressante, effectivement. Je pense que ce qui est dangereux, ce n'est pas l'algorithme en soi, mais c'est la façon dont il est présenté, utilisé, et la façon dont il est compris. Ce qui est dangereux, c'est la misconception, c'est la... mauvaise compréhension. Merci. C'est la j'aurais pu trouver tout seul. C'est la mauvaise compréhension des citoyens sur les algorithmes, de dire ils sont nécessairement neutres, donc tout ce qu'ils me disent est juste. Ça, c'est dangereux. En soi, l'algorithme, dénué de son objet, de son contexte, de sa finalité, n'a évidemment pas de dangerosité. Mais je pense qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on utilise les algorithmes comme sujet des phrases, lorsqu'on leur donne des noms, lorsqu'on dit Siri m'a dit, Alexa m'a dit, qu'on leur donne un genre, etc., nécessairement, on les fait passer d'objet à sujet, quoi. Enfin, moi, je peux faire l'écho de ce que vous dites, puisque une des astuces que je donne à des collègues quand ils rentrent un peu dans le sujet, je dis remplacer machine learning par statistique, et vous commencez à rentrer un peu dans le sujet, voilà, même si tout le machine learning n'est pas que statistique. Mais grosso modo, la mécanique est, vous avez tout à fait raison, et de parler de vrai positif, de faux négatif, etc. Alors, si vous pouvez l'expliciter. D'éducation sur le sujet est évidente, ben, le faux positif, c'est qu'on passe, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui a été représentée comme ayant un fort taux de récidive, qui n'est pas du tout la réalité. Ouais. Donc c'est apparu comme un positif étant récidiviste, mais ne l'étant en réalité pas. Et ces taux d'erreur, c'est-à-dire que les algorithmes procèdent, est-ce qu'il y en a beaucoup de faux positifs ou pas, c'est vachement intéressant comme truc. Ah oui. Parce que ça permet de voir comment c'est calibré, comment ça fonctionne. Et ce que vous évoquez, moi, d'une manière un peu plus générale, je fais le lien avec l'idée d'avoir une culture scientifique minimale pour pouvoir aujourd'hui... Mais que tout le monde doit avoir maintenant. Voilà, instruire les débats. On doit tous être un peu experts en statistiques. Je pense qu'avoir aujourd'hui, avoir minimum de... On ne peut pas être expert de tout. Hein. D'ailleurs, il y a des dangers à ça. Hein. Vous voyez, expert en Covid, expert en... Mais, ou alors, on est journaliste. Ou alors, je ne dirai rien. Je prends mon droit de réserve. Mais l'idée d'avoir, en effet, un minimum dans le débat public de capacité à discuter... Alors, il y a beaucoup de limites à la démocratie participative. Je ne vais pas ouvrir le débat là. Mais à Montréal, il y a un projet qui a été mené, qui m'a semblé intéressant, qui aboutit sur une déclaration sur l'intelligence artificielle, où ils ont discuté, comme on le fait là, aujourd'hui, avec des citoyens, avec des angles différents, des niveaux de connaissances différentes, et ils n'ont pas fait ça sur Internet, ils ont fait ça dans des lieux publics. Et à partir de ces réflexions-là, ils en ont monté quelques principes qui semblaient intéressants aux citoyens. Alors, ça ne fait pas de la régulation, mais ça crée de la culture. Et moi, ça, aujourd'hui, vous voyez, quand on dit tous anti-Covid, je l'utilise, je ne l'utilise pas, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant un minimum de culture scientifique, on arrive un peu plus à se faire peut-être une opinion. Et ça, c'est ce qui manque, à mon avis, dans le débat public. Alors, on a encore une question. Merci. À partir du moment où, en fait, un algorithme utilise des données qui sont personnelles ou même anonymisées, ou bien qu'un algorithme soit utilisé pour des décisions publiques, est-ce qu'il ne devrait pas être sous licence open source ou un simili, histoire d'avoir une sorte de garde-fou pour justement éviter tout débordement? Oui, alors effectivement, les algorithmes publics, est-ce qu'ils doivent être open source? Est-ce que c'est une garantie? On parlait de Parcoursup, par exemple. L'algorithme de Parcoursup, sauf erreur de ma part, il est accessible. Est-ce qu'en tant que citoyen, j'arrive pour autant à me faire une opinion sur la manière dont ça fonctionne? Pas nécessairement. C'est-à-dire que je vais faire confiance à la communauté, donc d'autres personnes qui vont s'emparer du sujet, qui ont un peu plus de technicité, la société civile, pour l'obtenir. Donc, pour moi, c'est une garantie imparfaite. C'est intéressant, c'est-à-dire que ça procède à une publicité moins qu'à une transparence, à proprement parler, parce que la vraie transparence, c'est qu'est-ce qui a motivé les choix de conception. C'est-à-dire que moi, quand je fais une ligne de code, pourquoi je l'ai mis de telle manière ou pas? C'est comment j'ai pu, moi, choisir mes jeux de données? Quelles sont les motivations? Parce que cette idée de la motivation derrière quand j'opère une processus de conception, pour moi, est aussi intéressante, quels arbitrages j'ai fait, que le programme lui-même. Parce que vous pouvez avoir, encore une fois, fait de très mauvais choix dès le départ. Nos concepteurs de compass, par exemple, ont fait
déjà le sujet, moi, enfin, je pense qu'il était un peu risqué, donc je serais peut-être pas allé là-dessus. Mais blague à part, bien les jeux de données qu'ils ont pris, enfin voilà, toute la démarche intellectuelle était dès le départ posée, dès le départ difficulté. Donc l'open source, oui, on peut pas le rejeter, mais c'est pas nécessairement la clé à toutes les solutions. Et le pendant de l'open source, je fais le lien avec l'open data aussi, parce qu'on pourrait dire ben, que finalement la mise à disposition des données publiques, aujourd'hui il y a un sujet sur les décisions de justice, hein, justement, hein, en disant ben, on va mettre en open data toutes les décisions de justice, de façon à assurer une meilleure transparence de la justice, là aussi un peu de prudence. Qu'est-ce qu'on y met? Quels sont les recoupements possibles que l'on peut faire? Et ceux qui seraient nocifs, en fait. Voilà. Et donc, vous voyez, derrière la notion d'ouverture, comme d'habitude, il y a un équilibre, selon moi, à identifier et à... Voilà. Et effectivement, Parcoursup est en open source, mais certaines parties du processus décisionnaire se déroule derrière des assemblées de jurys qui, elles, ne sont pas ouvertes. En fait. Au moins, une partie du code a été... Peut-être pas l'intégralité. Hein. Sur une partie du code, j'en suis à peu près certain, mais l'intégralité du code, j'en suis pas du tout certain. Et c'est pareil pour tous anti-Covid, qui est open source, mais pas... on n'a pas pour autant une garantie que l'algorithme fonctionne comme il devrait, quoi. Enfin, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Non. On a peut-être épuisé notre audience ici, déjà. Non, ben ouais, effectivement. Bon, il y avait encore un aspect qu'on n'avait pas abordé, c'est finalement, c'est pour se placer un peu dans le futur, je sais que vous aimez bien ça, enfin que tu aimes bien ça, Iman, un peu jusqu'où ça va aller là, en fait cette question des responsabilités des algorithmes, parce que l'actualité de la semaine dernière en fait nous a montré qu'il y a un drone qui en Libye a pris des cibles et il a tiré tout seul. Jusqu'à présent, on savait que les drones de combat étaient capables d'identifier des cibles. On se doutait qu'ils pouvaient tirer tout seuls, mais on se disait qu'il y avait quand même toujours human in the loop. Il y avait toujours un soldat qui appuyait sur la gâchette. Et là, on a vu que, en fait, le processus était automatique à 100%. Alors, pour ceux qui se sont retrouvés de l'autre côté du canon, bonne chance pour avoir des voies de recours contre cet algorithme. Mais ça pose question, en fait, quand même. Est-ce que finalement, on est en capacité d'appuyer sur le frein quand on voit qu'en fait, ça va aussi loin? Qui c'est qui veut ? Non, j'étais en train de réfléchir. J'ai lu, en partie évidemment, parce que ça fait des centaines de pages, j'ai lu le rapport de l'ONU qui mentionnait ce robot kamikaze. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse déterminer le degré d'autonomie du drone en question. Ce qui n'enlève en rien, évidemment... Ce qui n'enlève pas la légitimité de la question, mais je ne voudrais pas qu'on se dise ensemble ce soir, on est à ce moment dans l'histoire où il y a des robots qui sont complètement autonomes et qui engagent des cibles parce que vous n'en êtes pas sûr. Enfin, ben, t'en es pas sûr. J'ai vu le rapport de l'ONU cité partout, etc. Et je suis allé regarder. Et effectivement, donc on a un drone kamikaze qui est autonome sur à peu près 5 km, etc. Le rapport de l'ONU n'est pas très clair. Il nous parle d'un engagement de cible, mais on ne sait pas s'il y a tir et on ne sait pas sur quoi c'est, etc. Mais bon, peu importe. Je voulais juste faire une parenthèse sur ça. Et moi, en prenant le recul, je peux pas, enfin, je m'avancerai pas, quoi. Je ne sais pas si on peut parler de robots complètement autonomes, mais... La question se pose quand même, ouais, dans le futur, ça c'est certain, et se pose ensuite la question des processus organisationnels, des conventions sur les armes, etc., qu'on peut mettre en place au niveau onusien, ne serait-ce que ça, pour savoir où on en est. La seule chose qu'on puisse dire sur ce qui s'est passé en Libye, on sait que c'est un drone kamikaze voilà, créé par la Turquie, et on sait qu'il y a une convention du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interdit l'importation, etc., des armes en Libye. Donc, moi, pardon, c'est mon côté
avocat qui ressort. La seule chose que je puisse dire avec certitude ce soir, c'est qu'il y a une violation de l'embargo. Mais le degré d'autonomie et tout, je ne sais pas trop. Oui, je me rallierai à la preuve scientifique. Hein. C'est-à-dire qu'un article du Monde a essayé de documenter un peu ça. Mmh. En effet, hein, c'est parti du rapport de l'ONU. Je ne sais plus quel est le site anglo-saxon qui l'a repris, en mettant en avant l'intervention d'un drone tueur. L'exemple est intéressant, moi, sur la manière dont l'information est répliquée. C'est pour ça que je rejoins tout à fait Iman sur attention entre le storytelling, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui comme histoire, il y a un drone tueur, et la réalité derrière sur le terrain, qui est vraisemblablement, alors je n'ai peut-être pas le bon terme, une munition, c'est-à-dire voilà. Mais maintenant, je ne vais pas évacuer le sujet comme ça. Voilà, parce qu'on se doute bien que c'est tentant quand même. Et moi, ce que je vois, c'est que le mécanisme international qu'évoquait Iman est relativement ralenti, pour ne pas dire gelé. C'est-à-dire qu'en 2017, 2018 peut-être, je crois que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui avait fait une déclaration extrêmement claire sur le sujet, 2018, en disant qu'il faut une prohibition des armes létales autonomes, ouais. Des systèmes autonomes. Les systèmes d'armes létales autonomes, ça là. Où on en est aujourd'hui ? Eh bien, on a des puissances mondiales qui se regardent comme sur la prolifération d'autres armes, un peu du coin de l'œil, où ils ne veulent pas perdre la course, où voilà, on a des intérêts. On a aussi des intérêts économiques, par ailleurs, derrière. C'est la Turquie qui a, pas stigmatisé un pays, mais qui a produit ce type d'armes, qui ont d'ailleurs été mis en œuvre aussi en Azerbaïdjan, dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, tout ça pour dire qu'on a besoin d'un encadrement. On a besoin d'un encadrement. Les conventions de Genève sont le lieu de la discussion. Et aujourd'hui, on peut regretter que le poids de certains États fasse que ces discussions n'avancent pas, parce que ce sera sur le terrain, vraisemblablement. Je n'ai pas de boule de cristal, et j'aime pas les sentences irrévocables comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle la loi de Gabor. Gabor, c'est un prix Nobel en 68, qui a dit tout ce qui est technologiquement faisable sera fait. Oui, c'est ça. Oui. On a un peu l'impression que... Voilà. Et alors, c'était très provocant, sa manière de le dire. Mais malheureusement, on voit, l'histoire nous démontre qu'un usage sage de technologies mises à notre disposition est compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça que j'insiste sur le droit. Moi, je reviens à ça. Aujourd'hui, on a besoin d'un droit national, d'un droit international courageux sur ces questions-là, et où je pense que ça dépasse le seul intérêt de seules quelques nations. C'est un intérêt global aujourd'hui de devoir ralentir la prolifération de ce type d'armes. Complètement d'accord, et je rajouterais également que c'est important, je pense, mais d'un point de vue collectif, tant qu'individuel, d'essayer le plus possible, ne serait-ce qu'intellectuellement, de ne pas faire preuve de déterminisme technologique, c'est-à-dire se dire que les systèmes d'IA ou tout ce qu'on peut créer sera créé de toute façon, et donc il faut y aller, il faut qu'on soit les premiers à y aller. C'est pas une règle en soi, c'est souvent présenté tel quel. Il fallait qu'on le fasse, si c'était pas nous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça, c'est juste un mythe, en fait. C'est un mythe qu'on utilise souvent pour les systèmes d'IA, mais c'est un mythe qu'il faut déconstruire individuellement pour pouvoir réfléchir ensemble au type de société dans lequel on a envie de vivre, etc. Je peux citer Paul Demitz pour ça. Paul Demitz travaille à la Commission européenne. Il a deux casquettes, universitaire, il est également fonctionnaire européen. Et lors d'une intervention, il disait ça. On regarde la Chine, on se dit on va être toujours en retard par rapport à la Chine, donc il faut rattraper cette course-là qui serait perdue d'avance. Mais bon sang, à qui la Chine va-t-elle vendre ses systèmes d'intelligence artificielle ? Eh bien, peut-être pas en Europe. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a des valeurs. Voilà, on a ces valeurs fondamentales en Europe. Et tout l'intérêt aujourd'hui d'une réglementation qui ne touche pas que l'intelligence artificielle, puisqu'il y a tout un paquet de réglementations qui est emmenée par l'Europe, eh bien, l'idée est de se dire, eh bien, on va y mettre nos valeurs, ce que nous considérons important, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme pour le Conseil de l'Europe. On va y mettre toutes ces valeurs-là, parce qu'on pense que c'est ça qui doit être le métronome mondial aujourd'hui de l'innovation technologique. Et alors, donc juste pour conclure, est-ce que sur ce front, on est comment ? C'est-à-dire, si on a un front de l'industrie, finalement, qui pousse, et puis y a aussi les peurs sécuritaires qui poussent énormément à l'utilisation des algorithmes, et on a donc un front régulatoire, démocratique, des droits humains, on en est où ? Mais je pense qu'un des éléments intéressants, c'est d'aller regarder les champs d'application et les champs territoriaux d'application des réglementations à venir et actuelles au sein de l'Union européenne, où
enfin, par exemple, si on prend le RGPD, on peut déjà constater que le RGPD, s'il s'applique à l'ensemble des personnes dont les données personnelles sont traitées et qui se trouvent dans l'espace économique européen, il a eu un impact à travers le monde où il y a eu une amélioration par le haut des réglementations à l'aune du RGPD qui a été pris, par exemple, pour les protections des données personnelles des autres citoyens de par le monde. Et donc ça, c'est l'exemple pour le RGPD. Encore une fois, ça jette une proposition, et donc on verra dans les mois et puis les années à venir la réglementation européenne qui a été proposée par la Commission européenne s'agissant des systèmes d'IA. Donc ça, c'est en cours, c'est dans les tuyaux. C'est en cours. C'est en cours, mais quand on regarde déjà les ambitions qui sont affichées en termes d'application et d'applicabilité de la loi, du texte, on peut se dire qu'il y a une ambition réelle d'augmenter par le haut les valeurs européennes, le respect des droits humains, etc. Je rejoins Imane sur ça, à ceci près qu'on peut avoir une grille de lecture assez classique, et je te rejoins, en disant régulateur, secteur privé, hein, grosso modo, secteur privé innovation, régulateur, voilà, fondé un peu plus sur du droit. Tout ça, en réalité, est un peu plus mixé. C'est-à-dire que ce que je vois aujourd'hui, en tout cas ce que j'arrive à lire, c'est qu'on a du côté des États-Unis une volonté de dialogue transatlantique depuis l'arrivée de l'administration Biden qui est vraiment renforcée. Et j'entends, je ne dis pas aujourd'hui que ça va renverser, mais j'entends des sociétés qui étaient auparavant très très hostiles à de leur régulation commencer un peu à modérer leur dialogue. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a, je crois, un regard tourné vers la Chine, en se disant qu'il y a fondamentalement peut-être plus de valeurs communes entre les États-Unis et une partie de l'Europe, en tout cas, qu'avec d'autres pays. Donc, pour le reformuler, on n'est pas juste secteur privé régulateur. On est sur l'utilisation de la régulation comme premièrement vecteur de marché, d'encadrement du marché. Ça, c'est des choses très classiques. C'est la mission première de l'Union européenne. Hein, développer le marché, permettre des échanges sur un marché unique. Ça, c'est la première chose. Donc le privé a toute sa place dans cette mécanique-là. Et la place des droits fondamentaux, en effet, qui, on peut se le dire, a été quand même plutôt en déclin. Voilà. Et sur laquelle, ce qui était très vif dans l'esprit des créateurs du Conseil de l'Europe en 1949, hein, le plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'aujourd'hui, parfois, les droits fondamentaux passent en second plan. Ils sont proclamés, mais passent en second plan par rapport à d'autres préoccupations. Donc ma conclusion, puisque je ne veux pas être trop long là-dessus, c'est de se dire que le regard du régulateur à venir va être vraisemblablement tourné vers le marché. N'oublions pas les droits humains, comme tu le disais, Imane, la démocratie, l'état de droit, ou le marché, ce n'est pas le marché qui va dicter ça, ce sont ces piliers-là qui permettent démocratie, état de droit, droit de l'homme, je pense, un peu plus de paix dans le monde. Voilà. Bon, eh ben, ça va nous servir de conclusion optimiste à cette table ronde. Merci à tous de vous être déplacés. Je sais que ce n'est pas évident, surtout dans ces semaines d'euphorie après les confinements qu'on a connu. Merci Imane Bello d'être venu partager vos analyses sur ce sujet. Merci Yannick Mentzer. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage récent, L'intelligence artificielle en procès. Donc, plaidoyer pour une réglementation. C'est clair. Hein. On l'a eu. Il était présent. On l'a bien entendu. Merci au Shadok et à la ville de Strasbourg. Donc, je rappelle que la semaine du numérique responsable, semaine européenne, continue ici au Shadok. Il y a notamment un point de collecte de Envie. Si vous avez des vieux équipements numériques qui traînent chez vous, apportez-les à Envie. Ils auront une deuxième, ou en tout cas, ils seront bien traités. Voilà. Merci à tous. Merci aux indépendants pour la technique. Et on se retrouve à la rentrée pour la poursuite du cycle Tous connectés et après.